Parmi les totems comestibles de la France, il y a la baguette, le vin, le camembert, le saucisson, les cornichons. Et le croissant alors? Vous imaginez la France sans croissant? Pas vraiment. Problème, 80% des croissants qu'on consomme aujourd'hui sont d'origine industrielle. Heureusement, le croissant redore sa croûte et vous allez voir, il n'a plus rien d'ordinaire. Le croissant est-il bien de chez nous? Pas si sûr. Il fut même naturalisé français après une sacrée épopée. Ça commence dans l'Égypte antique. Le croissant symbolise la lune, objet de vénération et de superstition. Les Égyptiens offraient même à leur déesse des pains en forme de croissant de lune. Au XVIe siècle, le croissant devient l'emblème de l'Empire ottoman. On trouve des pains en forme de croissant à la table de Suleiman le Magnifique. Ensuite, c'est une histoire de conquête. Les Turcs assiègent Vienne en 1683. Il paraît que ce sont des boulangers viennois qui ont donné l'alerte et qui ont repoussé l'invasion. Pour commémorer ce haut fait d'armes, les boulangers viennois ont même inventé une pâtisserie en forme de petite corne, Hornchen. Ensuite, comment le croissant est devenu français? Eh bien là encore, c'est la faute d'un boulanger viennois, Auguste Zang. Il s'installe à Paris en 1838 et il fait des croissants, mais pas le croissant feuilleté que l'on connaît, plutôt un croissant brioché comme un pain viennois. Ce n'est que dans les années 20 que le croissant apparaît sous sa forme actuelle, une viennoiserie feuilletée, levée, beurrée, le croissant quoi. Cette chose a remporté le prix du meilleur croissant de Paris et d'Île-de-France 2018. Bravo Isabelle Ledet. Merci. Félicitations. C'est gentil. Ça s'explique un bon croissant par plusieurs critères de qualité. Il y a d'abord, j'imagine, les matières premières. Exactement. Vous avez les matières premières, donc essentiellement le beurre et les farines. Nous, on utilise un beurre AOP. Donc il y a très peu de beurre AOP en France, il y en a 4. Donc le nôtre provient de Charente-au-Poitou, des Deux-Sèvres très exactement. Et ensuite, une farine biologique. Et c'est une farine qui affiche un code comme ça, T65, qui signifie qu'elle n'est pas trop raffinée. Exactement. Donc elle est un peu moins blanche que d'autres farines plus raffinées comme T45 ou T55. Elle est riche en gluten. C'est la protéine du blé. Elle permet de donner une élasticité et une force à notre pâte. En gros, c'est un peu ce qui permet au croissant de faire de la gonflette. Exactement. Deuxième critère peut-être, le savoir-faire, comment on prépare un croissant. Là, il y a une affaire de tourage. Exactement. On donne des plis à notre pâte, donc on intercale le beurre et la pâte, et sans les mélanger, sans jamais les mélanger, ce qui est essentiel pour avoir un beau feuilleté. C'est le principe d'un feuilletage, sauf que c'est aussi une pâte qui lève, donc ça veut dire qu'il y a une fermentation et vous avez mis de la levure pour que la pâte fermente. Le croissant, c'est une pâte levée, feuilletée. Étape finale. C'est la cuisson? La cuisson, exactement. Ce qui est essentiel pour avoir un bon croissant, c'est une belle cuisson. Donc qu'il soit blond, bien doré, mais pas trop cuit. S'il est trop cuit, on va avoir un croissant qui est sec à l'intérieur. Et ce qu'on recherche, c'est un croustillant et un fondant au milieu. C'est ça. Et s'il est sous-cuit, en revanche, on risque d'avoir une pâte un peu crue à l'intérieur. Voilà, aussi, un peu moins digeste et un peu pâteuse en bouche. C'est pas très agréable. Celui-ci, il semble idéalement cuit. Beau feuilletage. On sent d'ailleurs qu'il fait de la musique. Belle dorure. Exactement. Et à l'intérieur, on va découvrir ça. Bonjour madame, je voudrais un croissant s'il vous plaît. Qu'est-ce que le meilleur croissant de Paris a dans le ventre? Eh bien, je vous propose de le vérifier tout de suite. Bon, d'abord, avouez quand même que ce croissant, il a une bonne gueule. Franchement, il est doré, il est régulier, il fait très envie. Là déjà, c'est un premier très bon point. Ensuite, au nez, oui, parce que le croissant a une odeur, un parfum. Il doit sentir un peu ce feuilletage légèrement caramélisé. Ensuite, un croissant, c'est sensuel, c'est charnel, c'est tactile. Ça doit se tripoter un croissant, avec les doigts évidemment, et ça doit réagir. D'abord, ça doit faire un peu de bruit quand on le tripote. Et il doit être rebondissant. Il doit bomber du torse, il doit avoir fait un peu de gonflette. Et là, on le sent, très clairement. D'ailleurs, quand on appuie dessus, il revient, petit effet trampoline. Pour le manger, il y a un peu deux écoles. Il y en a qui prennent cette petite pointe de pâte feuilletée et qui déshabillent le croissant comme ça, qui le tirent par la languette. Moi, je préfère faire un autre truc, j'adore lui tirer l'oreille. Et là, regardez, effet imparable. Ce qui est formidable avec ce croissant, c'est que vous avez la croustillance à l'extérieur et à l'intérieur, quand vous lui déchirez l'oreille, eh bien, vous sentez qu'il y a une espèce de nuage
beurré, qui s'effiloche comme ça. Ça, c'est le signe d'un bon croissant. Le premier truc qui saute aux papilles, c'est ce goût de beurre frais. Parfois, vous avez des croissants qui sont faits avec des beurres de piètre qualité. Là, c'est vraiment un beurre incroyable, le beurre de Pamplis, un beurre de Charente. Et le croissant, pour le coup, c'est vraiment un encas d'hiver. Vous êtes à Paris, il y a un petit soleil, mais il fait 2-3 degrés à deux pas de la cathédrale Notre-Dame. Ce croissant, je peux vous assurer, avec ses 25% de beurre, il vous réchauffe. Bonjour madame, je voudrais un croissant, s'il vous plaît.